Je vais vous parler des mots. Et notamment la façon dont le français a une façon tout à fait particulière de gérer la question des mots, M-O-T-S. Il le fait de façon tout à fait originale, à deux titres. D'une part, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, il ne distingue pas les mots entre eux. Il les intègre dans un ensemble, ce qui est évident, très déplaisant et très dépaysant pour un étranger. Il n'arrive pas à distinguer des mots aussi simples que l'eau, par eau. Parce qu'en français, on ne dit pas « est-ce que tu veux eau ?» On dit « est-ce que tu veux de l'eau ?» et même « est-ce que tu veux de l'eau ?» Et ça, tout de suite, ce n'est pas aussi simple que « water » ou « agua » ou « voda », etc. Bon. Et donc, on en a parlé... Il y a une sorte de... Il y a les liaisons. Alors les liaisons, déjà, c'est quelque chose qui pose problème, les liaisons. Parce que vous collez, vous scotchez deux mots entre eux, qui n'en font plus qu'un, quelque part. Et après, il faut que les gens se débrouillent pour les redistinguer. Alors, à l'écrit, ça va. À l'écrit, les mots sont séparés, en tout cas en français. Peut-être que dans la Bible, l'ancienne Bible, les mots n'étaient pas séparés, c'est un autre problème. Et... Donc, il faut que l'auditeur, parce que c'est bien gentil de jongler avec les mots, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de vous suivre. Et donc, c'est toute une complicité au sein de la société française, notamment au sein de la société parisienne, de jongler avec les mots, de les coller, de les relier entre eux, et puis aux autres de les identifier. Bon. Et si on n'a pas cette capacité-là, on est perdu. Ça, c'est le premier aspect des mots. Et puis, il y a d'autres façons des mots, de considérer les mots en français. C'est que on peut changer le sens d'un mot par un tout petit détail. Par exemple, comprendre et appréhender. Voilà. Bon, on va être capable de voir que c'est la même racine. Hein? Bon. On a également ça en hébreu, les racines trinitaires, etc. Bon. Donc, sauf qu'en français, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas, c'est pas aussi simple au niveau de l'écriture. Parce qu'il n'y a pas le trinitaire, il n'y a pas les trois consonnes comme ça, hein? Peu importe. Et donc, cette capacité à créer à amplifier le sens, à diversifier le sens autour du même mot, par un préfixe, par une petite nuance, une petite addition, sans parler des différentes acceptions qu'on peut accorder à un même mot à travers les générations et à une époque, etc. Un mot peut changer de sens, le mot réseau n'a plus le même sens aujourd'hui, pour différentes raisons, qu'il y a quelques dizaines d'années. Hein, c'est un mot qui a pris un autre sens, mais on n'a pas pour autant utilisé un mot nouveau. Ou alors, on peut dire que si je prends le même mot et que je mets un suffixe, ça va être un mot nouveau. Non, c'est le même mot. Ça aussi, c'est un débat. Les gens n'ont pas été formés à cela. Mais le français est capable de baliser un champ sémantique et d'amplifier un champ sémantique avec un seul mot qu'on va décliner, qu'on va conjuguer, dont on va faire des dérivations multiples, et sans avoir besoin, parce que pour beaucoup de gens, chaque mot doit être bien distinct. Il y a des gens qui vous disent « Ah oui, ce mot-là, c'est pas ce mot-là. » Non. La grande astuce en français, c'est justement d'être capable d'accorder des significations différentes à un même mot, pourvu qu'il ait été légèrement modifié. Ce qui est d'ailleurs le cas des conjugaisons. Donc toutes les conjugaisons sont des déclinaisons, c'est des variations sur un même mot, comme, ou sur un même thème, si on préfère, au sens mathématique du terme. Voyez-vous ?